Chers amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où vous suivez cette émission. Bienvenue dans cette édition spéciale du Ikiem Touré Live Paris, réalisée à l'occasion de la tournée européenne du révérend Emmanuel Ikiem Touré. En créant l'homme dans Genèse 1, 28, la Bible dit « Et Dieu les bénit » en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Longtemps, nous avons pensé que la notion de fécondité était liée à la fécondité d'en bas, mais pas que. Aujourd'hui, dans cette émission, vous comprendrez que la fécondité n'est pas limitée qu'en bas, mais aussi en haut. Pour débattre de ce thème très intéressant, je reçois pour vous aujourd'hui celui qui n'est plus à présenter, le révérend Emmanuel Ikiem Touré. Révérend, bonjour. Bonjour, Rock. Bonjour à tous nos internautes, nos followers. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Et nous ne sommes pas que seuls sur ce plateau. Je suis également avec ma sœur, Désirée. Désirée, bonjour. Bonjour, Rock. Bonjour, Révérend. Bonjour. Et bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale de Ikiem Touré Live à Paris. Très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de fécondité, mais de fécondité financière. Alors, Révérend, tout à l'heure, Rock parlait justement de notre situation géographique en fonction de la fécondité financière. Mmh. Quand nous partons souvent de nos pays, on arrive ici, on a pratiquement les mêmes idées, on veut faire les mêmes choses. C'est un peu du copier-coller. Mmh. En fonction du territoire où on se trouve, nous sommes dans le cadre de l'Europe, que ce soit la France, la Bruxelles ou autre pays. Est-ce que la Bible nous parle des principes liés à la fécondité financière en fonction du territoire où on se trouve? Très bien. Je veux toujours articuler autour de Daniel chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Daniel était hébreu avec ses trois compagnons. Quand ils sont arrivés à Babylone, on a changé leur nom. On a changé le nom de Daniel en Belshazzar, etc. Azaria et Abednego, c'est pas des noms hébreux. Alors, en application, lorsque vous changez de pays, on peut changer votre nom, mais n'acceptez pas qu'on change votre foi. On a dit à Daniel et à ses compagnons, il est interdit formellement de prier un autre Dieu que le Dieu babylonien. Et celui qui prie un autre Dieu, on va l'exécuter. Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Vous avez changé mon nom. Ici, c'est un autre contexte. Mais le verset qui suit, le chapitre qui suit, on dit, Daniel, prière chaque trois fois par jour. Et il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem et il continuait de prier chez lui. Il ne priait pas dehors pour ne pas être exécuté. C'est un peu une sagesse que je voudrais donner. C'est pas la peine d'aller devant Nebuchadnezzar et dire, toi tu n'es rien, c'est Dieu qui est le vrai Dieu. Bon, tu vas être exécuté et pour rien, je veux dire. Il faut entrer dans ta chambre, tu continues de prier, et quand Daniel arrive à la maison, il est Daniel. Quand il est au palais, il porte le nom babylonien avec ses frères. Donc il ne faut pas, premièrement, oublier son identité en venant ici. Parce que c'est là où on aura la capacité de changer. J'en viens à ta question. Lorsque Daniel a respecté cette partie spirituelle, quand ils sont allés à l'école, puisqu'ils étaient en formation, quand il est allé à l'école, au jour du test, maintenant sur le plan moral, je saute. Sur le plan moral, il a accepté qu'on change son nom, mais il n'a pas accepté qu'on change sa moralité. C'est ça. On voulait changer son régime. On l'a dit, faut manger ce que le roi mange, des animaux interdits, de la nourriture interdite pour sa culture. Il a négocié avec le chef de la table du roi pour dire, pardon, ne nous oblige pas. Teste-nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes. Et puis, puisque c'est le résultat, et dans le contexte européen, c'est l'obligation des résultats. Nous sommes ici dans un contexte orienté vers les résultats. Tu as un diplôme, tu n'as pas de résultats, tu seras renvoyé, c'est comme ça.
En Afrique, c'est peut-être autre chose. Souvent, c'est parce que tu, le chef est ton oncle, tu ne vaux rien, mais tu restes dans l'entreprise. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Et c'était comme ça en Babylone. Daniel a dit, donne-nous 10 jours, on va te prouver qu'on est capable. Et puis, ils ont négocié. La partie négociation est importante. Il faut savoir négocier. On leur a accordé les 10 jours. 10 jours après, il y avait le test. Et la Bible dit que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs. C'est ça qui peut nous permettre de nous établir en une terre étrangère et de prospérer. Moi, je n'ai pas d'autres recettes parce que nous nous adossons sur la Bible pour parler. Lorsque, premièrement, on sait maintenir avec sagesse sa moralité, même si on change notre nom. Peut-être à la maison, ton atelier va s'appeler Jéhovah Jireh. Je dis n'importe quoi. Mais arrivé en Europe, tu fais la couture, mais si tu mets Jéhovah Jireh, on ne va pas venir. Tu peux mettre atelier, il pourvoira. Donc il faut un peu de la sagesse. C'est ça. Et les standards que tu avais en couture en Afrique sont différents ici. Les couleurs, les modèles, il faut changer. Tu fais la même chose, mais change pour que ça soit adapté. Parce que sur le marché, ce n'est pas une question de foi. C'est la loi de la demande et de l'offre. Voilà, il ne faut pas dire, si je prie, ça va marcher. Non, il faut demander qu'est-ce que les gens demandent. C'est ça. Et puis maintenant, tu leur offres ce qu'ils demandent. Donc, il y a une étude de marché à faire. Absolument. Souvent, nous venons et puis nous oublions ça. Et c'est ce que, si vous étudiez bien Daniel, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, vous allez voir comment, de façon exceptionnelle. Et Daniel, comme il a réussi avec Nebuchadnezzar, 3 autres rois qui se sont succédés n'ont pas voulu le renvoyer de son cabinet. Il a été conseillé, il est demeuré conseillé pendant 4 régimes. Voilà, donc on peut bien réussir en terre étrangère si on garde les principes sur le plan moral et sur le plan spirituel, on va faire des exploits. Voilà. Donc ici, il s'agit de sagesse, d'imagination et de stratégie. Tout à fait. Merci, Révérend. Voilà. Merci, Révérend. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette édition spéciale. Le thème est très intéressant. Nous aurions aimé le débattre encore plus longtemps. Ouais. Mais nous allons tirer progressivement vers la fin de cette édition. Vous avez parlé de stratégie. J'aimerais vous poser une question assez particulière dans le contexte européen, où la facilité à avoir des prêts est très élevée. Contrairement à nos pays africains, ici, carrément, les banques vous supplient, dès que vous avez un CDI, de faire un prêt. Dans une société de consommation dans laquelle nous nous trouvons, la tentation elle est forte. Mais lorsque nous regardons la parabole du fils prodigue, nous rendons compte que le problème n'est pas tant l'argent, parce qu'il a reçu beaucoup d'argent, mais c'est la gestion qu'il en a fait quand il a quitté ses parents, qui l'a ramené pauvre finalement. Sur la question du prêt, parce qu'il y a plusieurs écoles aujourd'hui, certains pensent que le chrétien, parce qu'il est fils du Dieu à qui appartient l'or et l'argent, ne devrait pas faire des prêts. Il y a de l'autre côté ceux qui pensent qu'il est important de faire des prêts pour certaines entreprises. Que recommanderiez-vous à la communauté chrétienne qui nous écoute aujourd'hui vivant en Europe? Très bien. Au fait, ça dépend de comment on définit le prêt, hein. Parce que si tu es en location, c'est un prêt. Voilà. Ça, et tu vis dans la maison de quelqu'un que tu as emprunté. Tu vis dedans et puis tu payes chaque mois. C'est un prêt. Pour dire quoi? À la base, il faut savoir si le rendu du prêt n'est pas plus avantageux que le montant du prêt. Tu perds. Enfin, il ne faut pas entrer dedans. C'est un mauvais investissement. Donc, je dirais que faut pas tout de suite dire qu'on ne doit pas emprunter. Parce que dans la vie, on fait des prêts. Voilà. Et on emprunte à tout le monde. Voilà. Quand tu prends une route pour voyager, on dit quoi? Voilà. Donc,
C'est pas le mot emprunté qui est le problème, c'est la destination. Il faut savoir, donc avant d'emprunter la route, faut te poser la question, ça aboutit où, ça mène où? C'est ça qui est important, sinon nous tous, y compris le pasteur, y compris nous empruntons. Mais quand tu vas emprunter pour ta perte, c'est un mauvais emprunt. Voilà, donc souvent, ce que je vais recommander en un mot, c'est de se laisser conseiller. Parce que ça fait mal de le dire, mais la plupart d'entre nous, même si nous sommes spirituellement bien éduqués, quelquefois, nous n'avons pas d'éducation financière. Et il faut se faire accompagner par des structures et des cabinets avisés avant d'entrer dans un certain processus de prêt et tout ça. Il faut se faire aussi entourer de bons amis qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Voilà, parce que on n'invente pas la roue. Il y a des gens qui ont déjà réussi là où tu veux essayer. Exactement. Donc, va vers eux et souvent, travaille pour eux gratuitement pour avoir le conseil dont tu as besoin d'eux. Je dis beaucoup de choses à la fois parce que notre génération veut les choses facilement et gratuitement. Souvent, quand tu veux les conseils de quelqu'un qui est avisé, expérimenté, il ne faut pas aller tout de suite demander le conseil. Va te prêter à lui. Laisse-lui t'exploiter. Et je veux dire, exploiter dans le bon sens, serre-le, serre la personne. Et puis, tu vas créer une proximité, une intimité. Et c'est en ce moment que tu vas avoir ces bons conseils, ces secrets. D'accord. Voilà. Ça, les gens ne veulent pas ça. Mais ce qui est gratuit ne coûte pas cher. Voilà. Souvent, on veut les conseils. Il connaît, mais il ne veut pas me conseiller. Mais toi, tu as fait quoi en retour à cette personne qui a... Voilà. Parce que si... Bon, la vie est comme ça. Hein. C'est des règles. C'est apprendre où à laisser. Voilà, tout ce qui est gratuit que tu as reçu, c'est quelqu'un qui a payé. Voilà, donc si tu veux aller à la source, il faut que tu payes aussi. Vous l'aurez compris, la fécondité financière, oui, mais il y a également un prix à payer. Désiré, est-ce que tu aurais un dernier mot? Alors, je voudrais juste à tous ceux qui nous suivent, hein, et qui aiment Tori Live, vous dire que puisse ajouter rien de spécial, mais comme le dit la parole de Dieu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Ikiem Tori Live.